It has been a long and bloody year since the end of the Great War. While the Emperor has claimed victory, the peace that so many heroes gave their lives for has not settled on the lands. The hordes of chaos, though leaderless, continue to taint the northlands of the Empire. Vicious warriors attack merchant caravans and raid isolated farms and villages. The Emperor's battle-weary soldiers patrol the forests and hills, ever vigilant against bloodthirsty warbands intent on looting and slaughter. Sigmars! Für das Imperium! Et c'est ainsi que Kane von Morborg, ainsi que le peu de survivants de la patrouille, revinrent vers Mordheim et firent leur rapport. Étant donné que la compagnie était décimée, ils décidèrent de monter une warband de mercenaires pour s'en sortir, vu que leur travail était terminé. Leur premier contrat leur a été donné par Baron von Leitdorfer, un colis à livrer au temple de Sigmar de Mordheim, quelques quartiers au nord de leur position actuelle, qui est à la porte est de Mordheim. Donc, le baron les envoya discuter avec un personnage haut en couleur. Ainsi, vous avez décidé d'explorer la cité des damnés en quête d'or et de gloire. Vous ne seriez pas les premiers. Ouvrez l'œil et vous verrez les os de vos prédécesseurs au milieu des ruines. Mordheim ne pardonne pas les erreurs, n'en commettez aucune. Mais vous avez fait le premier pas vers la survie. Vous avez eu la bonne idée de venir voir Luthor Wolfenbaum. Cette ville, je la connais mieux que quiconque. Si vous m'écoutez, vous aurez une chance d'en repartir. Profitez de l'or et de la gloire que vous aurez trouvé.
Peu m'importe les serments qu'il vous lie au service du baron von Leidorfer. Je me fiche aussi des prétentions impériales du grand prince du Reichland. Une seule chose compte, l'instant présent. Oui, il y a de la pierre magique dans les ruines, il suffit de se pencher. Mais il n'y a pas que ça, vous allez croiser ces furies hystériques du roc, prêtes à tuer tous ceux qu'elles verront avec une pierre. Elles sont dangereuses, mais il y a pire, les dégénérés qui sont venus à vénérer la comète qui a détruit Mordheim. Leur esprit est aussi difforme que leur cœur. Que leur corps. Ils n'auront aucun problème à balancer votre cadavre dans la fosse, en offrande au seigneur des ombres. Vous verrez même des choses incroyables dans ces ruines. Des hommes ras des profondeurs, les légendaires Skaven, sont bel et bien réels. Si vous leur en laissez l'occasion, ils vous chiperont vos pierres magiques et vous rongeront les os. Oui, les dangers sont nombreux, mais si vous étiez du genre Froussard, vous ne seriez pas là. Si vous avez assez de courage et de force, ce ne sont pas les trésors qui manquent. Cette ville broie des faibles et les timorés. Ne l'oubliez pas, et entourez-vous d'hommes forts. Alors peut-être, peut-être, vous aurez une chance de survivre. Nous voilà lancés. Avec Obi, Nubidrag, Mithyal von Mithyal et Ibu, on va rentrer dans la ville. Je m'appelle Ken von Morgborg, mais les hommes, depuis notre aventure pour arriver à Mordheim, m'appellent Ken von Doom. Et ils ont répété plusieurs fois que notre aventure était damnée, mais aucun n'a osé déserter ou me le dire en face. Donc, je vais maintenir une poigne de fer et faire en sorte qu'ils fassent leur travail. Mais mes archers sont assez doués. Je vais m'en servir pour faire de la reconnaissance. On va avancer et on va aller livrer un paquet au temple de Sigmar. Donc la formation sera nos guerriers en soutien des archers et j'irai voir par moi-même ce qu'il en est. Nous devons tomber sur une bande de halbardiers, une compagnie de halbardiers qui protège le temple de Sigmar. Donc on ne devrait pas tarder à les rencontrer. Mais que fut ma surprise quand je découvris que ces halbardiers finalement étaient bien différents de ce que j'avais imaginé. Certains portaient les signes du chaos, les signes de Slaanesh, de Tsench. Et avec horreur, je me suis dit que le temple de Sigmar n'était pas non plus protégé par cette compagnie, mais bien assiégé par les hérétiques. Il fallait que nous passions. J'envoyai mes archers en éclaireur, et Mithyal revint avec des informations intéressantes. Il n'y avait que 5 gardes postés dans ces quelques rues. Donc si nous arrivions à les attraper et les réduire au silence, nous pourrions passer discrètement et rejoindre le temple sans avoir à combattre la compagnie. À 5, combattre une compagnie, évidemment, d'halbardiers était une pure folie. Mais passer discrètement dans les rues de Mordheim est totalement possible. Donc il était temps de se mettre en marche. Je m'étais armé d'une massue, de mon bouclier, le fidèle bouclier qui a gagné la renommée durant plusieurs campagnes. Il m'a protégé le cœur de bien des fois, et d'où le nom de notre warband, les cœurs de fer. J'avançais et je remarquais déjà au loin des traces significatives de mutations sur les murs. La ville était, on ne peut plus, difforme. De la malpierre gisant ça et là. Ceci étant notre objectif, j'allais en ramasser quelques-unes, histoire de voir ce qu'on pourrait en faire plus tard. Ne pas arriver au temple les mains vides. Je sais que les prêtres de Sigmar verront d'un bon œil que l'on ait ramassé la malpierre et que on leur rapporte. Ils les mettent hors de portée des gens du chaos et ils donnent de bonnes récompenses pour ça. Donc je passais le mot à mes troupes. Si vous voyez de la malpierre, ramassez-la. C'est une entreprise risquée. La malpierre est toujours quelque chose qui risque de vous rendre malade. Donc il faut en ramasser mais avec modération. Le paquet était toujours dans le chariot.
Le plus dur serait de faire passer le chariot discrètement. Le chariot avec tout notre matériel pour aller au temple. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas le choix. Il fallait absolument qu'on élimine ces quatre gêneurs, ces cinq gêneurs. Quand ils nous ont enfin repérés, une flèche de Mithyal alla se loger dans la corde qui permettait de sonner la cloche d'alarme. Sans alarme, pas de renfort. Sans renfort, ils étaient obligés de se battre. Ou fuir. Ils décidèrent de se battre. Et ce jusqu'au dernier. Obi et Hibou étaient en armure lourde. Hibou a une hallebarde, Obi est en ambidextrie avec une épée. Leur mouvement est terrible. Ils ont du mal à courir aussi vite que les deux archers qui tracent dans les rues. Mais c'est aussi aux archers de faire attention. Si quelqu'un vient près d'eux, ils savent où se réfugier. Derrière ces deux brutes qui finalement font leur travail. Alors, je consultais la map assez régulièrement pour savoir où on en était. Hibou allait prendre position à côté de Obi. Je sais qu'avec les deux là, on n'allait pas pouvoir discuter de beaucoup de sujets au feu de camp, mais au moins, on pourrait parler du nombre de morts qu'on allait commettre. On peut voir en face le chef ennemi qui nous a repérés et qui ne sait pas trop comment prendre la situation. S'il s'approche assez, peut-être une flèche de Nubi pourrait l'atteindre. Allez, Drag, décoche-moi un trait. Attends de voir le blanc de ses yeux pour décocher. Les deux archers sur la droite. Les deux guerriers, couvrez-les. Je pars à gauche, chopez l'autre. Enfin, c'était ce que je m'étais imaginé au début. On peut voir qu'il est prudent. Il a dû faire quelques batailles. Un archer ne l'inquiète pas. On peut voir qu'il a un hallebardier avec lui. Juste derrière lui, un hallebardier. Mais il reste pile un peu trop loin pour que le tir soit assuré. Il était temps d'avancer. Je voyais de la malpierre entre moi et cet archer. Allons débarrasser le terrain de cette malpierre pour énerver l'archer et ensuite nous prendrons couvert dans un bâtiment. Alors, les effets furent immédiats. La tête qui tourne, quelque chose n'allait pas. Une espèce de poussière verte s'est dégagée au moment où j'attrapais les pierres, s'insinuant dans mes gants. Je me sentis plus dense, plus résistant, mais aussi légèrement désorienté. Il allait être difficile de parer les projectiles. Il était temps de se mettre à couvert. Si je ne voyais pas venir les coups, je ne pourrais pas mettre mon bouclier où il faut pour me protéger. Je me posais donc en embuscade. Évitons l'archer tant que cet effet persiste. Et j'allais me mettre en embuscade si son héros décidait d'avancer. Nubi commença la danse de mort. Il commença à décocher ses flèches. Ce petit jeune est doué en rien. Je l'ai vu se prendre des vestes dans les auberges auprès des serveuses. Je l'ai vu se casser la gueule en grimpant à une échelle. Je l'ai vu se fouler le poignet en portant un seau d'eau. Au camp, c'est une vraie gageure. Mais sur un champ de bataille avec un arc, il n'y en a pas deux comme lui. Quand la nourriture vient à manquer et que finalement on n'a que cet homme avec nous,
On est bien content d'avoir des animaux à manger, de la viande. Et finalement, il nous a permis de faire plus de voyages qu'on aurait pu avec une bande de sauvages comme les guerriers qu'on a. Il nous servira d'éclaireur, ainsi que d'armes contre les tireurs ennemis. Mithyal, il pourrait être aussi bon, mais il a ce côté paysan qui ne le lâche pas. Paysan dans l'âme. J'ai l'impression qu'il n'aime pas la violence. Mais il est tout aussi bon avec un arc. Et il a un côté... Certains diraient pleutre, Obi l'appelle le pleutre, mais je pense que c'est de la prudence. Il a tendance à se mettre à couvert, parfois sans raison, à reculer quand il devrait avancer. Mais bon, pour un archer, on ne peut pas lui en vouloir. Après tout, c'était pas comme s'il portait une armure lourde et qu'il pouvait engager les ennemis de front. Alors, Hibou a toujours été un élément instable de la team. Obi, par contre, on l'appelle le sauvage, pas pour rien. En fait, il est d'une humeur généreuse et affable autour d'un feu de camp. Il raconte des histoires de son village, ainsi que des batailles auxquelles il a participé. C'est toujours une bonne chose pour le moral. Mais quand il s'agit d'entrer au combat, là, ce n'est plus le même homme. On dirait qu'il y a quelque chose de vraiment noir au fond de lui et qui ressort durant ces moments de bataille. Je décidais de faire ma sortie. Je pris une flèche dans le flanc et la blessure me fit agir dans l'urgence. Il fallait que j'attrape cet archer avant qu'il décime notre groupe. Je commençais un travail, deux coups de massue, un sur la tempe. Il avait l'air mal en point. Fallait faire attention. Il pouvait toujours sortir un couteau et me placer un mauvais coup. Le sang ruisselait sur mon flanc. Si j'encaissais trop de ce genre de blessure, mon cuir léger n'allait pas suffire pour me garder en vie. Il faudrait déjà que je passe sous le couteau de notre soigneur, Birdie, mon second. Et ça me terrifiait bien plus que de prendre d'autres coups. Birdie, d'ailleurs, n'a pas pu nous accompagner. Je l'ai laissé avec le reste de la compagnie. Car je pensais que ça aurait été simplement une balade de routine. Je pense qu'on aurait dû partir à plus de 5. 5 était trop peu. Nubi est un bon scout. Il vérifie bien les alentours. Il vérifie qu'il n'y ait pas des embuscades. Mais parfois est un peu trop prudent. J'étais bien content que, à ce moment-là, il décoche une flèche pour venir à mon aide. Je ne l'ai pas vu passer, elle a sifflé à côté de mon oreille et s'est plantée dans la gorge de mon adversaire. Mon adversaire, étonnamment, n'est pas tombé, mais saignait abondamment. Il était à deux doigts de périr, mais voulait encore en découdre. Et c'est là que je reconnus la patte de Tsench. Aucun soldat n'aurait combattu jusque-là sans avoir son esprit altéré. Altéré par quoi ? Par la non-peur de mourir. Et ça, c'est la marque de Slaanesh, pardon. Pas de Tsench, qu'est-ce que je raconte ? Tsench, c'est la magie. De Slaanesh. Slaanesh corrompt les esprits, les rend immunisés à tous les éléments tels que la peur. Il se décharge dans la luxure, le stupre et la folie. C'est exactement l'exemple qu'on avait en face de nous. Des futurs serviteurs de Slaanesh. Que des hérétiques. Il fallait les tuer tous. Mais ils n'auraient jamais l'occasion d'aller plus haut dans la hiérarchie du chaos. On pouvait voir que Obi soufflait déjà lourdement à chaque pas. Son armure l'empêtrait. Même s'il était habitué à la porter, quasiment tous les jours, il ne l'enlevait rarement
Même pour dormir, il n'enlève que la moitié des plaques de son armure. C'est un fou furieux. Sympathique, mais il a changé depuis qu'on est dans la ville. Le dernier campement dans la ville, on pouvait voir qu'il était assez nerveux. Il remonte le moral des autres, mais lui-même, je pense que le stress agit sur lui. Intensément. Il n'aime pas cette ville, mais ne le fait pas sentir. Pour ne pas démoraliser les autres. Hibou, par contre, lui, a l'air à l'aise. C'est pour ça que les gens l'ont appelé Hibou le corrompu. Étrange, ce personnage. Toujours des blagues un peu louches. S'il ne savait pas manier aussi bien la hallebarde, je l'aurais peut-être déjà renvoyé de la compagnie. Mais on a trop besoin d'hommes comme lui. Qu'il ait un bon caractère ou non, ça n'a pas d'incidence. Je poursuivais l'archer, le sang coulant goutte à goutte sur mon flanc. Je pense que c'était qu'une égratignure, car je vois que déjà, la blessure n'a pas l'air de s'ouvrir plus. J'assommais l'archer, d'un coup bien placé sur la tempe, et vis la moitié de son visage s'arracher. Je ramassais la malpierre qu'il portait, et je déposais la bière par terre. Il était temps d'avoir un plan. J'étais derrière les lignes ennemies, seul. J'allais me mettre en position. Montons à l'étage et préparons-nous au cas où un homme vienne essayer de me contourner ou de m'attraper. On m'a dit qu'il y avait des scavens dans cette ville. J'attends toujours de voir si ces légendes sont vraies. Peut-être. Peut-être pas. Mais des hommes rats, franchement, je ne crois pas à toutes ces billevesées. J'ai eu ma part de champ de bataille et je n'ai jamais rien vu de tel. Drag repéra une malpierre. Alors à la fumée verte qui se dégageait du haut de ce bâtiment. Ah, il glissa, les pierres étaient humides et les planches étaient difficiles à grimper. La fatigue n'aidant pas, il fallait monter ce mur, comme à l'entraînement. Mithyal, lui, continuait à nous couvrir. Il essaya de trouver un accès à un des étages pour se mettre en hauteur. Il avait un bon point de vue par ici. Il fallait faire attention. Est-ce qu'il pouvait monter encore plus haut? Non. Mais il vit à l'autre bout du monde que l'ennemi était en train de nous contourner par l'est. Donc pour complètement couper court, j'appelais mes hommes vers moi. Rejoignez-moi! Mithyal couvrait notre déplacement. L'idéal aurait été de les choper un par un. Mais le capitaine ennemi ainsi que la jeune recrue était parti sur l'est. Probablement aller chercher de la malpierre qui s'y trouvait. On pouvait voir les fumées vertes de ce côté-là. Quand je pense qu'il ne cherchait même pas le combat et que pendant la bataille, il s'occupait de cette pierre, je pense qu'elle a plus d'importance qu'il n'y paraît. Il faudra que je me penche sur le sujet. Pour le moment, on va essayer de ramasser tout ce qu'on peut, mais je ne mettrai pas la vie de mes hommes en danger pour quelques pierres. Hibou, comme à son habitude, aussi rusé que sournois, s'était mis en embuscade près de l'escalier. L'archer allait attirer l'attention, et si quelqu'un voulait aller l'attraper, Hibou l'intercepterait. Des mouvements à l'orée de la perception, pas bon signe, c'est qu'il prépare quelque chose. Il ne fallait pas non plus trop tarder, les renforts et les patrouilles ennemies pouvaient arriver d'un instant à l'autre. Nous n'avions pas toute la nuit pour nous débarrasser de ces hommes. Qu'il fallait avancer. Je consultais une nouvelle fois ma carte et descendais de l'étage. Il était temps d'aller voir par mes yeux quels étaient ces guerriers qui s'opposaient à nous. Je repérais leur chariot ainsi que leur étendard. Je savais que si jamais je prenais leur étendard, leur morale allait se dissoudre instantanément. Mais je ne voulais pas qu'ils fuient. Il fallait les tuer jusqu'au dernier. Donc, laissons-leur leur étendard, laissons-leur leur richesse dans leur coffre,
L'important était de vite s'en débarrasser. Je me retrouvais acculé dans un coin. Ouh, bientôt. J'avais repéré deux guerriers dans l'allée rue, et une rue latérale me semblait un bon endroit d'embuscade. Le problème, c'est que j'étais seul. Mes hommes étaient très très loin à ce moment-là. Et l'ennemi m'avait vu. Donc il allait me contourner. Je pouvais être pris par deux flancs dans cette ruelle. Je me préparais à parer les coups, plutôt qu'à préparer une embuscade. Je savais que les coups allaient pleuvoir. Il fallait que je tienne le temps que mes alliés arrivent. Pendant ce temps, drague. Allez, il faut que je monte à ce mur. Oh, comme à l'entraînement. Allez, allez, encore une fois. Ouais, non. On pouvait voir que drague était tout aussi maladroit que je l'avais expliqué précédemment. Il lui arrivait de se casser la gueule, même en marchant dans la rue, sur une rue pavée. Je me demandais comment il arrivait à manier aussi bien son arc en étant si maladroit. Mais bon, il était déjà couvert de contusions et de bosses alors qu'il n'avait même pas confronté l'ennemi. Il avait tiré une flèche sur le capitaine adverse et avait subi autant de dégâts que lui. Ah là là. Mais il est valeureux. On sent qu'il a le désir de vouloir bien faire, et c'est tout ce qu'on veut. Il n'a aussi pas peur. Étonnamment, je lui ai trouvé un courage juvénile. Face à certaines situations où d'autres auraient commencé à trembler dans leurs bottes, lui était excité à l'idée de pouvoir se démarquer. Et ça, ça ne s'apprend pas. C'est ce qui fait la marque des héros. Mithyal allait nous rejoindre, voyant que l'ennemi ne se pressait pas. Il restait en alerte de tous les côtés. Et je lui ordonnais de contourner la statue par la gauche. Nous faire un rapport sur les positions ennemies. Et il remarqua que la recrue ennemie ainsi que le chef commençait à revenir vers les arrières, vers moi. Il était temps de les flanquer avec quelques épines bien placées. Un premier tir fit mouche. Il était temps de se replier. Obi n'avait toujours pas trouvé un ennemi à combattre. Il bouillait de rage. Mais était maintenant à portée de vue du groupe de guerriers. Il espérait inconsciemment qu'ils viennent vers lui. Il voulait se battre. Avoir un fort tempérament est un avantage en bataille. Mais attention, ça peut causer votre perte. Hibou, lui, protégeait l'archer, comme on lui avait ordonné. Corrompu peut-être, mais obéissant. On ne peut pas lui retirer ça. Si quelqu'un voulait pourchasser l'archer qui leur tirait dessus, il fallait venir près de Hibou, et à ce moment-là, combattre un arbalétrier chevronné. Leur recrue n'a pas eu ce courage. Il est venu faire une reconnaissance et a décidé que Hibou avait l'air un peu trop dangereux à son goût. Sachant que l'archer pouvait très bien sortir un couteau et l'aider. Il préféra s'enfuir. Faire une retraite stratégique. On pouvait noter la flèche dans son flanc qu'il a décidé de ne pas enlever pour ne pas se vider durant la bataille. Il se mit en position devant notre chef. Enfin, devant moi. S'il croyait vraiment que j'allais engager le combat et me faire submerger, il se mettait le doigt dans l'œil. J'utilisais une des vieilles techniques qu'on nous avait apprises. Faire croire à l'ennemi que vous êtes en train de fuir, pour le mener tout droit dans une embuscade. Il était temps de replier de manière suffisamment démonstrative. Je voyais leur chariot. Où étaient passés les guerriers? Il fallait que je m'assure de leur position. Voilà, ils étaient là.
Voyant qu'ils étaient plus nombreux que moi, il n'y a aucun doute qu'ils allaient me poursuivre. Prenons à gauche. Entrant dans un bâtiment. C'est à ce moment-là que j'utilisais une vieille méthode, qui n'est valable qu'à Mordheim. C'est crier. Lorsque vous criez, c'est que vous avez soit été touché par de la malpierre, soit vous êtes pris un piège, car les rues regorgent de danger. Et si votre ennemi pense que vous êtes blessé, il se précipitera pour vous achever. Et c'est exactement sur quoi je comptais. Donc je poussais un cri, comme si j'avais trébuché, et j'attendais ma cible en embuscade. Cette fenêtre était de mauvaise aloi. Mon ennemi allait pouvoir voir que je l'attendais. Mais j'espère qu'il serait trop occupé à essayer de me poursuivre. Et c'était le cas. Il est rentré sans même jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et pris ma première attaque. Bon, je pensais pouvoir l'abattre rapidement, de deux coups de masse bien placés, mais ce ne fut pas le cas. Ce guerrier en face de moi était aussi doué que mes propres hommes. Se battre en ambidextrie, ce n'est pas une bonne méthode de combat, mais elle a l'avantage de faire beaucoup de dégâts. Son acolyte ne pouvait pas rentrer. Ils allaient devoir me combattre un par un. Et c'est là où mon fidèle bouclier allait me donner l'avantage. Je l'espère. Pendant ce temps, j'attendais que mes archers les contournent et puissent les harceler sur les flancs. Mais ils avaient un autre chat à fouetter. Apparemment, la recrue était arrivée dans cette rue aussi. Et il était temps de continuer à la harceler avec des flèches. J'ai vu un homme prendre plus de 10 flèches avant de tomber. Donc je sais que c'est une arme mortelle, mais qui prend trop de temps pour tuer immédiatement sa cible, si le coup n'est pas idéal. Mais ça affecte aussi bien le moral que les chairs. Mithal, bien en sécurité, protégé par Hibou, pouvait tenter des actions un petit peu plus vaillantes. Il trouva une fenêtre avec la vue sur un des guerriers. Tenta le tir. Un tir facile, hein. En situation normale, il n'aurait jamais raté ce tir. Mais là, avec le stress du combat, l'adrénaline, la flèche alla se ficher dans la porte à côté du guerrier. Il en profita pour fouiller un coffre de l'habitation et découvrir un peu de matériel. Obi avait enfin l'occasion de se jeter sur son ennemi. Il se remémora les conseils de Mithial, de mes conseils. Et commença par ramasser le matériel ennemi. Il vit la bière par terre et la ramassa. Il se mêla ensuite en embuscade, préférant essayer d'intercepter quelqu'un qui viendrait embêter l'archer. On lui avait donné un ordre, il avait envie d'en découdre, mais n'était pas prêt à braver le commandant pour ça. Hibou, lui, a disparu des écrans pendant un petit temps. Il ne savait pas où il était. On lui avait dit de garder l'archer et apparemment il était en train de faire d'autres choses avec un cadavre. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé durant cette période. Mais il était en alerte. Si quelqu'un s'approchait de lui, il allait l'attraper. Il savait que il s'était mis entre les combats et le héros ennemi. Héros ennemi qui était très loin de ses hommes. Qui avait décidé de s'enfuir après avoir pris les quelques flèches. Car il ne se sentait pas en état de pouvoir se battre. Étonnant, c'est qu'il n'était pas encore bien affilié à sa divinité. Il ressentait encore la peur de la mort. Il y avait peut-être encore un espoir pour lui. Non, le prêtre de Sigmar me dirait bien « Tue cet hérétique !» Je l'imagine déjà en train de me haranguer pour que je
Je le décapite. Ah, heureusement qu'on n'a pas de répurgateur dans notre warband. Je pense que je n'aurais pas à supporter. Un prêtre de Sigmar, par contre, je n'aurais pas dit non. Même si je n'aime pas les préchi-préchats, on aime les avoir à nos côtés durant les combats. La recrue tomba dans l'embuscade de Hobby, mais arriva à esquiver le coup. Une vraie anguille. Une hallebarde à la main, il la faisait tournoyer en tous sens, de manière complètement aléatoire, et rata son coup aussi. Par contre, le deuxième impact, beaucoup moins fort, vu que il avait perdu son équilibre, atteint l'armure de Hobby, sans gros dégâts. Pendant ce temps, je continuais mon duel avec ce pauvre guerrier. Il avait l'air effrayé, il a tenté de se désengager, il a essayé de jouer défensif, de reculer pour rejoindre son allié, mais c'était bien trop tard. Par contre, son collègue est venu aussi renforcer la position contre Hobby. Je pense qu'il essayait d'attraper l'archer et Hobby s'est interposé, bloquant les deux hommes. C'était courageux de la part de Hobby d'arrêter les deux hommes, mais on lui avait donné l'ordre de les empêcher d'aller sur l'archer. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ça et une maladresse de mon adversaire. qui est rentré dans la zone. Bon, il était temps pour Drag de sortir ses marteaux. L'arc avait fait son office, mais il avait emmené deux marteaux au cas où. Et là, voyant son collègue en difficulté, il n'allait pas le laisser se battre à deux contre un. Ça aurait été trop dangereux. Il savait qu'Obi ne paniquerait pas, mais dans le doute, il allait lui prêter main forte. Amidial, pendant ce temps, se trouvait dans le bâtiment de l'autre côté de la rue et n'avait pas accès au combat, mais par contre avait beaucoup de fenêtres pour pouvoir tenter des tirs. Il continuait à harceler l'ennemi, cherchant des failles à tout instant. Une fenêtre peut-être dans ce bâtiment. Oui. Bon, l'angle était mauvais, mais il essaya quand même de tirer une flèche dans le dos de la recrue, et rata. Comme à son habitude, il revient se cacher. Sans raison, étant donné qu'il était à l'autre bout du monde, et que les gens étaient occupés à se battre. Mais la prudence, c'est au moment où elle nous sauve la vie qu'on se rend compte qu'on a bien fait d'être prudent. Hobby distribuait les coups et infligeait de lourds dégâts aux guerriers adverses. Il était temps pour Hibou de rejoindre les autres. Il entendait les cris de ses compagnons, il entendait les cris des blessés. Il fallait les rejoindre coûte que coûte. Mais cette armure était si lourde et les dangers de Mordheim si présents. Il préparait une embuscade dans un coin en se disant que si le chef essayait de rejoindre la mêlée, il l'intercepterait. Le chef a quand même repéré l'embuscade et pris à défaut Hibou. Il l'attaqua le premier. Et lui mit deux coups d'épée. L'armure encaissa les coups, mais on pouvait voir le sang suinter. Ce duel allait être difficile à remporter. Malgré que le héros ennemi soit blessé, et qu'un coup de hallebarde bien placé puisse le tuer, encore fallait-il porter ce coup. Hobby était en difficulté. Il était à deux doigts de sombrer. La tête tournait, le sang ruisselait. Mais il ne voulait pas lâcher ses deux guerriers. Il savait que s'il tombait, ses amis allaient périr derrière. Il fallait absolument les achever. Je me débarrassais du guerrier face à moi. Et il fallait une manœuvre tactique. Mon ancien sergent m'avait appris quelque chose d'important en bataille. C'est que si vous êtes à 3 contre 3... Vaut mieux taper à 3 contre 1.
Ça fait en général sombrer le moral de la personne qui se fait agresser, et ça débarrasse rapidement un danger. Donc, on allait appliquer cela en encerclant le guerrier le plus faible. Tout leur dispositif allait sombrer. Et c'est exactement ce qui arriva. Le guerrier paniqua. Il regardait autour de lui, anxieux, et se mit en position défensive, sans même essayer de porter un coup. Mithyal, pendant ce temps, cherchait encore des possibilités de tir et se mit à faire le tour. Si on ne trouvait leur chef et de leur placer une flèche dans le dos. Ah, encore une fenêtre, encore raté. Il fallait faire des tirs en direct. Arrêter de jouer à travers les fenêtres, les flèches n'étaient pas assez précises. Obi tua le guerrier de droite. Un bon revers des deux armes sur le flanc et il s'écroula. Mais il était en sale état. Le moindre coup allait le faire tomber. Il fallait se débarrasser de la recrue avant qu'elle puisse porter un coup de hallebarde fatal à Obi. Pendant ce temps, Drag fouilla consciencieusement le corps à la recherche de la Malpierre. Toujours à suivre les ordres. C'est pour ça qu'il faudra que je sois plus précis lorsque je donnerai des ordres la prochaine fois. D'abord s'occuper du combat et après s'occuper de fouiller les adversaires. Nubi rata les deux attaques qui auraient pu sauver Obi. C'était une véritable anguille, impossible de le toucher. Il rata la première attaque, il esquiva la seconde. C'était compliqué. Contre le chef, notre hallebardier, Hibou avait plus de mal encore, car il ne savait pas où frapper. Le bouclier prenait la moitié du corps de l'ennemi. Comment l'atteindre? Et il suffisait de faire un pas de côté pour éviter l'immense hallebarde. Ça allait être difficile de le tomber. On voyait que le capitaine était quand même un homme d'armes très doué. Pourquoi avait-il trahi l'Empire? Il n'avait pas l'air fanatique. C'était assez étrange. Mais on n'avait pas le temps de discuter avec lui. Il fallait vite s'en débarrasser. Le combat avait déjà pris trop de temps. Il fallait se débarrasser d'eux. Une warbande classique aurait déjà fui. Mais là, on a pu voir la détermination dans leurs yeux. Ils réussirent leur test de déroute et restèrent en position. Hibou continuait à prendre des coups. Un déluge de coups, il n'arrivait pas à riposter. Il n'arrivait pas à renvoyer la moindre blessure sur un homme qu'il aurait pu tuer en deux volets, enfin en deux mouvements de hallebarde, il aurait pu l'achever. Et pendant ce temps, sa recrue en profita. Il frappa avec sa hallebarde, mais le coup atteignit sur le côté de la hallebarde. Ce n'est pas le tranchant qui trancha les chairs, mais bien le fer qui frappa la tempe du guerrier. Le guerrier s'écroula, comme un bloc, un bruit de ferraille avec son armure cabossée. Il était temps, non pas de ramasser les corps, mais bien de finir ce combat. Je chargeais, je ratais, je frappais de nouveau. Et il esquiva. Ah! Nous étions en colère, nous étions deux, trois contre lui et impossible de le toucher. Notre archer. Allez, il était temps que Mithyal fasse le tour et vienne nous aider. Il hésita longtemps avant de nous rejoindre. Il voulait avoir l'angle idéal, le tir parfait. Mais il fallait pas non plus qu'il prenne 10 ans pour faire tout ça. Encocher la flèche, viser, et aller mettre une flèche dans le dos de cette recrue. En fait, il n'a même pas hésité une seconde. En voyant Hibou en difficulté,
Il s'est dit qu'il se débrouillerait assez bien. Il alla plutôt aider le chef, en se disant que un acte comme ça pouvait rapporter une médaille, quelques couronnes d'or de plus. Allons plutôt aider le chef. Une flèche entre les omoplates de l'ennemi. 28 de dégâts. Waouh. Oh non, en plein dans la tête. On pouvait voir le carreau dépasser du front de notre adversaire, mais cela ne l'empêchait pas de se battre et d'esquiver les coups. C'était le chaos à l'œuvre. Mais un coup de Nubidrag et Léopold le banni était désormais hors de combat. Il nous en aura mis du fil à retordre. Il aura même tombé un de nos guerriers. Mais pas le temps de voir si les blessures étaient graves. Il fallait terminer. La bande ennemie allait refaire un jet de morale. Est-ce que le chef allait fuir? Il était seul désormais. Et ils étaient à deux contre lui. Drag était blessé, donc c'était risqué d'aller engager le chef comme ça. Mais avec l'assistance d'Hibou, il n'y avait pas de souci. Sauf que Hibou, en voyant cette opportunité, décida de se mettre à l'abri. Nubidrag se retrouva tout seul face au chef ennemi. Ça allait peut-être mal se passer. Quelques mauvais coups et il allait tomber. Et là, il se retrouvait à deux points de vie près et la blessure fatale à portée de main. Si cette blessure dépassait les 21 de dégâts, il tomberait. Malheureusement, pour notre adversaire, il ne fit que 18. Et c'est à 3 points de vie que Nubidrag resta debout. Il était temps de s'en débarrasser. Une charge, comme à l'académie, bouclier, pas en position, il rata la parade. Deuxième coup de matraque, mit fin à ses espoirs. Il était titubant. Il était en sang, il était avec sa warband annihilée, mais il restait jusqu'au bout du combat. On sentait bien que c'était un homme de l'Empire, qui ne voulait pas lâcher le morceau. Mais Mithyal avait plus que du courage. Il avait l'envie de l'or, faire un acte héroïque pour son capitaine. Toucher une récompense pour ce meurtre, une flèche dans l'œil. Le capitaine ennemi était au sol. Et c'était la victoire. Oh! Les cœurs de fer avaient remporté une victoire. Il était temps de s'éclipser. Une patrouille pouvait arriver. Il fallait récupérer le chariot, mettre le corps de notre camarade dessus et partir de là. Nous ne pouvions pas rester plus longtemps. Pas le temps de fouiller énormément. J'envoyais les archers fouiller rapidement et ramasser tout ce qu'ils pouvaient, les armes, la malpierre, les coffres du coin, et tout chargé dans le chariot, et nous passâmes. Nous allions en direction du temple de Sigmar. Et en s'approchant de là-bas, l'horreur était claire. Les halbardiers hérétiques et la compagnie encerclaient le temple de Sigmar. Nous entrâmes par un passage dérobé qu'il y avait sur la carte, et nous émergeâmes par les cryptes du temple, en direction des survivants à l'intérieur. Alors, la bataille est terminée. Bon, petit débriefing. Alors, on a fait quelques XP, donc 9 XP, on a fait la quête secondaire, on a ramassé la malpierre sur les corps de nos ennemis, ce qui nous a permis d'avoir tous les XP. Donc on n'est pas passé de niveau, hein, bien évidemment. Mais on va aller voir les autres. Donc Nubi, qui a fait son taf, il a aussi bien aidé au corps à corps qu'à distance. Quelques points de caractéristiques à répartir. Mithyal qui a reçu des XP supplémentaires pour les kills. Alors, 2, l'objectif optionnel, 3 points.
La victoire décisive, c'est parce que... Voilà, et un point pour le chef. Hibou n'a fait que du soutien. Donc il a des XP minimum, mais 6, c'est déjà très honorable. Ouais, l'inconvénient... On a une victoire décisive, mais c'est vrai qu'on a un personnage qui est tombé quand même. Parce que l'autre, c'était une véritable anguille, impossible de le toucher. Il a esquivé 2 coups, on en a raté 5. Voilà. Le héros ennemi, enfin la recrue ennemie. Pourtant, elle avait pas beaucoup de points de vie, hein. Mais Obi se réveilla dans le chariot et en fait, on remarquera que c'était que des blessures légères. Donc, rien de grave. En ce qui concerne la Warband, elle était pas loin de passer à un niveau 1. Une victoire décisive nous rapporte à 4 points d'XP pour la Warband. Et les loots. Voilà, donc les cœurs de fer, 4 XP sur 5, même si on a une défaite à la prochaine, la Warband passera niveau 1. Et tout le monde est intact.